Praise the Lord. Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a encore compté, fait grâce d'être parmi les vivants. Et nous lui rendons grâce pour la vie de nos téléspectateurs. Ceux qui sont toujours fidèles à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il bénisse encore vos attendements ce soir. Nous disons merci à nos techniciens de la RTJVA qui sont encore à nos côtés pour nous accompagner dans l'émission. Que le Seigneur les bénisse. Comme vous le savez, nous sommes encore à l'heure de l'émission. Savons-nous le prix d'une âme? Nous allons prier le Seigneur. Papa, une fois encore, nous te disons merci. Nous voici encore devant toi pour ta mission. Nous demandons, Seigneur, que tu interviennes. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Viens nous illuminer, viens nous éclairer. Aide-nous à interpréter ta parole. Seigneur, nous sommes en tes saintes mains. Sois au contrôle. Et ouvre les entendements spirituels d'une âme, Seigneur, afin que cette parole lui soit profitable. Que cette parole, Seigneur, soit une délivrance pour quelqu'un. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire notre texte de base dans Ésaïe, chapitre 8, le verset 23. Jusqu'au chapitre 9, le verset, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Niakle enou le Ésaïe pe agbalen, eta ameni bukui blave voton, eye miyakle eta asye keliahan, tu rekleme gbanva ide atouadi. Et notre thème s'intitule aujourd'hui « Un enfant nous est né ». Tanya ikema otonami egbea. Yenye bena odi de vyarenami. Le verset 23 du chapitre 8 d'Ésaïe. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, l'opprimait, tu les brises comme à la journée de mendiant, car toute chaussure qu'on portait dans la mêlée
et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Et ça y a pas que malin et ta ennemi pour qui bla bevoton. Ça va pour qui assez de kiape et pour qui attend banou. Afin qu'on la globe et la bena afin si kahal ela mati viviti me o. Tant là et dit bon zebulon nigba ple Neftali nigba et megbela ade bubu futamo si le Jordan fe godo kemelanu signé du con fe nigba bupu asi de kia fe pe bupu gban du con si le viviti me zom la po ke ke li gande a messi wo le bulu con ti di ti di fe anigba di la ke ke li klin de wo di e di du con la de edi eye ne ne di jo dogan o po di jo le nku o me abe ale si wo po di jo le nu ngai ene abe ale si wo tua aseye ne uma aboyonu ene ela bena enye wo fe agba fe kokuti ati si le wo fe ko wo me ple wo po la wo fe ati abe mi diangoli ene pupu ene ela bena o tojo amesi wo fe amesi wo fo avazila fe afopa o kata ple awu si wo oblibode vume la eye jo afia wo pupu ato aglobe ela bena o divinami eye wona nutu vimi jidudu le abotane eye o to nkonebe nukunu adandela ma o kaleto fofo mavo mutifafa fia. Amen. Amen. Jidudu la botane. Oh, yo pen kabe no kono. Oh, fofo mavo adandela mutifafa fia. Wenye fia, fia nenye vamba. Oh, jidudu la botane, oya penko benu kono. Fofo mavo adandela notifa fafia. Wenye fia, fia nenye vamba. Alléluia, un enfant nous est né. Oh, dit de vie à des amis. Nous savons comme dans le monde, chaque couple, si un foyer se fonde. Donc, on attend toujours le fruit de ce foyer. Et on n'en a pas fumé, on n'en a pas fumé, bobina, ou à ce coup. Parce que nous savons que si l'homme et la femme sont ensemble, ils sont devenus époux et épouses. Donc la Bible a dit qu'il va bénir les entrailles, ils vont procréer. Donc à base de cela, s'il y a un homme et une femme qui sont ensemble en tant que mari et femme, donc ils espèrent toujours, ils attendent toujours les fruits qui sont des fils. Mm. Amen. Et abe ale ke wole le ndu anyo menenea ni nutu de klegon de onani wa me viade etula ezebena e fi wa do to me anye kutete na ope de kawowo eye ale ale ya e wole e ya tanu tu klegon nu nanyila ezebena vi wa do to me e si ya un foyer
qui passent, qui sont ensemble, et des années passent, il n'y a pas ce fruit, un enfant ne vient pas, nous voyons qu'il y a des chagrins, il y a des stress, il n'y a pas la joie complète dans ce foyer. Et nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire, et nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire, nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire, nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Et souvent, si quelqu'un est jeune, un garçon, il est seul, il n'est pas encore marié, ou bien une jeune fille est là, il n'est pas encore marié, personne ne peut attendre de lui un enfant. Et il n'y a pas de boumé. Il n'y a pas de kajame kwa de sron. Il n'y a pas de kajame kwa de sron. Il n'y a pas de vitou akbo. Parce qu'on sait qu'il est jeune, il ne s'est pas encore marié, il n'a pas encore commencé à faire, à vivre la vie qu'on doit faire avant que l'enfant ne vienne. Et la bena amere o katanye be, sore ya ola, ome de sron o. Eye ome ate anu akbe ke, onon abe wativi o. Donc ici la Bible nous dit l'autre terme c'est que un enfant nous est né. Et ta Bible le problème nami et ta ngai ko nami a ebe odivia de nami. Et nous allons voir quel est cet enfant qui nous est né ici. Et mia ko le tepe a evi ko di le tepe a Bible le problème le tepe a la mia ko. Est-ce que c'est un enfant comme tous les autres qu'on attend toujours d'un foyer qui est fondé? De vie et côte, il était payé. Elle avait vu ma mère, il était dans le fumeume. Il était à mon nom, il était pas dans le fumeume. Ou bien il y a une différence. Alors vous vous toutez à délai. Oui, nous a qu'est-ce que cet enfant a comme. Et c'est tout enfant qui vient au monde. Les parents espèrent de cet enfant quelque chose. Dieu a toujours un plan pour l'enfant. Mais en dehors de ça, les parents ont des visions pour cet enfant. Et nous avons des vies de haut, dit le faux, mais à des mêlés. Maudonan pourquoi des viandes, maudonan comme ce soir des viandes. Vous n'avez que dit là au cala, maudonan pourquoi d'un quadé. Alors ce soir, nous aussi coup de viande. Et si l'enfant grandit. Les parents font des projets et l'enfant, même en grandissant, il a des projets. Je vais devenir ceci, je vais faire ceci. Et nous allons voir cet enfant. Il s'agit de quel enfant? Et quelle est la mission de cet enfant? Est-il la même chose comme dans les foyers ou bien il y a une différence? Et le faux mais la ligne au dit de vie au et de viol est simla on peut pas d'un corde non a dit l'aussi on peut pas de non a dit l'aussi qu'on a de vie on dit et de vie on t'en gohan là on peut pas de non a si au bon abe n'y a pas mais si là ma va nous aller que ma va y amé aller que ma va au doigt aller que et y est mi a pour le tp abe de vie a y que peigne à gros moins le tp a de on peut pas de le pas de dire mi a pour pas si a. Si nous nous référons au texte que nous venons de lire, nous verrons au clair de quel enfant s'agit-il et de quelle est sa mission. Un enfant nous est né. Esaïe, ici le texte est un texte prophétique. Un texte qui va s'accomplir dans l'avenir. Et ce texte parlait, et nous avons vu que ce texte, si nous revoyons, nous voyons dans Luc 1 ou bien dans les évangiles, nous allons voir l'accomplissement de ce texte dans les évangiles. Alléluia. Amen. Un enfant nous est né. On dit de bien des amis. Et c'est un enfant, il ne s'agit pas d'un enfant comme les autres enfants. Et de vie à la meilleure de vie, abe de vie, mamleo et neo. C'est un enfant dont sa naissance a eu lieu à une époque et à un lieu précis de l'histoire merveilleux. Merveilleuse. Et y a une de vie de Yiko dit, les Yiyi. Et c'est un fils messianique qui naîtrait d'une façon unique en son genre. Et Annie Juana me vide, il que a dit le nom de Kanu, le nom de comme on dit Dieu la fille a fait pata.
comme je l'ai dit, un foyer, avant qu'un enfant ne naisse, il faut que l'homme et la femme soient ensemble. Et il y a bien les gens qui ont dit, les gens qui ont dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, mais nous voyons la naissance de cet enfant qui s'est accompli dans l'évangile, dans les évangiles. Et nous pouvons citer l'évangile de Luc, le chapitre 1. Et il y a une fois, il y a une fille qui est venue, les gens qui ont dit, les filles là, au dire non mais toi qui a demandé et si elle nous voyons que Marie était tombée enceinte. Mais comme Marie elle a Eva fofou. Nous allons paraphraser, il y a pas le temps sinon on devait lire. Et il y a mes bon les miens sinon mien hlem. Va mien aller fofou. Marie était fiancée de Joseph. Marie elle a eu un béton son à Joseph. Et ils ne sont même pas connus. Et il y a même des soins ne sont pas au. Mais Marie est tombée enceinte. Voilà Marie elle a Eva fofou. Sans être touchée par un homme. Et que on y a ben tu as des kemes cassientio. Cette grossesse. Et fousia. Cette conception. Et fousia et que au foie. A été conçue par la puissance du Saint-Esprit. Et si avait mais tout beau gofé d'eau mais. Cet enfant. Et de via. Sa grossesse est différente des autres grossesses. Et de via peu fou là et tout vona et fou mamlé au que noigné. Marie est tombée enceinte sans être approchée d'un homme. Marie a là est fofoui que nous tu as de kemé te gogwe o. Et Jésus-Christ nous est né. Et oh Dieu tsunami. Jésus nous est né. Oh Dieu tsunami. Et il est le Messie. Et yanyo khona metola. C'est le Messie qui nous est né. Messie ayo dinami. Et la Bible nous dit. Et Bible a blonami be. Cet enfant. Devia. Il a la victoire sur son épaule, il a le règne, le trône sur son épaule. Si nous voyons dans le verset 5 d'Ésaïe, on dit la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Il est le prince de paix. Donc Jésus est né, il n'est pas né comme les autres enfants. Il est né avec autorité. Il est né avec puissance. Il est né avec la domination sur son épaule. Il est Dieu et il s'est fait chair. Donc ce verset est une prophétie qui s'est accomplie et il parle du Messie qui va sauver le monde. Et mais notre libérateur. Et ça s'est accompli. Donc aujourd'hui, nous n'espérons plus. Dans le temps passé, au temps d'Ésaïe, c'est une prophétie et ils attendaient l'avenir, l'accomplissement de ce test. Et mais à notre temps, la prophétie s'est déjà accomplie. L'enfant est déjà né. L'enfant est déjà né. Et il a fait son œuvre. Il a commencé son œuvre et il est parti. Et l'œuvre continue à nos jours. À notre temps, maintenant, nous vivons maintenant les œuvres de ce Messie. Et nous allons voir concrètement quelles sont les œuvres que ce Messie a fait et il continue de faire aujourd'hui. Et quels sont les privilèges? Quel est notre part dans cette œuvre? Si nous retournons dans le chapitre 8 à partir du verset 23,
Nous voyons, on dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Là-bas, nous voyons que Jésus-Christ est venu. Et il est venu pour, en tant que libérateur. Il est venu pour conduire le peuple dans la joie, vers la joie et la paix, la droiture et la justice. Donc on dit que l'angoisse régnait sur la terre. L'opprobre régnait sur le peuple de Nephtali et Zabulon. Jusqu'aux terres des gentils. Et Jésus est venu, c'est pour apporter la lumière sur ces milieux qui étaient couverts de ténèbres. Donc le monde était dominé par le péché, par les ténèbres. Et les angoisses, les cris, les gémissements dominaient sur les habitants du monde. Et Jésus est venu pour pouvoir éclairer, pour faire jaillir la lumière sur là où il y a les ténèbres. Et là où il y a l'angoisse, les douleurs, de conduire ces gens-là vers la, dans la paix, dans la joie. C'est la même chose, c'est le moment où nous vivons aujourd'hui. Les choses se compliquent de jour en jour. Et il y a les gémissements partout. Il y a l'angoisse sur la terre. Les gens travail, mais il n'y a pas la paix du cœur. On a l'argent, mais c'est comme l'argent souffle comme de l'air, ça passe. Et le monde n'a pas la paix du cœur. On travaille, mais on n'a pas ce dont on veut jouir, on ne l'a pas. Et le monde est rempli de gémissements, de chagrin. Nous courons jour après jour, mais on n'arrive pas à gagner ce dont on a besoin. On fait des réflexions sur des réflexions pour pouvoir gagner, pour pouvoir atteindre le but, mais on n'arrive pas à l'atteindre. Tu fais un programme que le lendemain je vais faire ceci, je vais faire ceci, mais tu ne sais pas ce que le lendemain réserve. Ce que tu n'as même pas mis dans tes programmes, le plan que tu n'as même pas pensé que ça va arriver, c'est ça qui arrive devant toi brusquement. Tu veux ou pas, c'est ça qui arrive. Et nous courons dans les soucis. Et la vie, c'est comme nous n'avons pas d'issue. Et tout ça la constitue comme des ténèbres qui nous environnent. Et tout ça là, c'est comme des ténèbres qui nous envahissent. Mais c'est pour cela que le Seigneur est là. Voilà, et nous y attaillons, après toi, Jésus Christ, là, et va d'eau. Quand tu, toi qui nous écoutes à l'instant même, et tu es quelque part, tu es troublé. Le monde te tire. Le monde te pousse. Et tu n'as pas la paix du cœur. Le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, le libérateur est là pour toi. Lui, il est venu pour te donner la paix.
Il est venu pour te donner la joie. Mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes maintenant, et tu n'as pas encore fait l'expérience de cet enfant, cet enfant qui a la domination sur son épaule, cet enfant qui a l'autorité, cet enfant qui conduit vers la paix, si tu n'as pas encore fait l'expérience, je te rassure de faire le choix de cet enfant, de faire le choix de ce Messie. Ce Messie n'abandonne jamais l'autorité qu'il a, l'autorité, on l'a dit, le Tout-Puissant. Donc il domine sur toutes choses dans ce monde. Il va dominer sur toutes les ténèbres qui t'envahissent maintenant. Il va te donner la joie. Oui, cela ne veut pas dire que quand tu vas venir à Jésus, tu n'auras pas les problèmes de ce monde. Mais quand les problèmes vont arriver, il est là pour les gérer avec toi. Il est là pour penser à ta place. Parce qu'on l'a appelé conseiller. N'importe quelle situation, lui, il trouve des solutions. Quand tu es confus dans un problème, embrouillé dans un problème, et confus dans une situation, Jésus est là, il va te conseiller. Il va effrayer une voie devant toi. Il va t'orienter. Et dans cette situation, tu ne seras pas troublé. Tu seras confiant. Parce que tu as un conseiller auprès de toi. Un conseiller qui ne manque jamais de conseils. Qui ne manque jamais de solution ou bien comment gérer la situation. Aucune situation ne le dépasse, lui ne va pas trouver de solution. Oui, ma soeur. Je ne sais pas ce qui t'embrouille maintenant. Tout ce qui a pris ta tête. Et c'est la confusion seulement. Jésus est là pour toi. Toi qui n'as pas encore connu Jésus, il est là pour toi. Parce que peut-être alors nous parlons. Tu te promènes de féticheur de marabout en marabout. De féticheur en féticheur. De couvent en couvent. Il n'y a pas la vie là-bas. Il n'y a pas la vie. Choisis le Messie. Choisis Jésus. C'est chez lui que tu trouveras la vie. Et quand tu vas aller chez le charlatan, il trouvera toujours à te dire. Il ne va pas manquer de mots. Il va te dire, c'est ta soeur là, c'est ta grand-mère là, c'est ton oncle là, c'est ton ami là, ça vient d'ici. Mais il ne pourra pas trouver la réponse. Mais Jésus est là pour apporter la lumière sur toutes ces ténèbres. Alléluia. Reviens auprès de Jésus. Toi qui connais Jésus déjà, et à cause des ténèbres, à cause des difficultés du monde, à cause de la chèreté de la vie, à cause de tel, et tu ne trouves pas de solution. Et c'est le découragement total. Déception totale. Et tu doutes de ton choix. Tu doutes maintenant de la domination de ce Messie. Et je te dis alors là, ne doute pas. Tu as fait un bon choix. Il viendra au bon moment. Il viendra au bon moment. Oui, il va intervenir. Les ténèbres là ne régneront pas toujours. Le problème là, la honte là, la Bible l'a dit, le problème là ne dominera pas toujours.
Dao. Non, je le Messie est là. Pour ôter ces choses. Il est là pour apporter le salut. Il est là pour élargir le royaume des cieux. Et nous qui étions abandonnés. Nous les gentils. Nous qu'on ne comptait pas parmi les sauvés. Le salut a été destiné seulement aux Juifs. Mais ce Messie est venu. Il a brisé ce voile. Et mon frère, toi aussi on t'appelle pour rentrer dans le royaume. Oui, le royaume, il est venu pour élargir le royaume de Dieu sur terre. Donc il t'invite aussi à rentrer dans ce royaume. Oui, il faut venir. Rentre dans ce royaume. Parce qu'on l'a élargi maintenant. Il n'y a plus de limites. Rentre dans ce royaume. Toi qui nous écoutes, c'est à cause de toi qu'il est venu. Fais le choix maintenant. Fais le choix maintenant. La porte est ouverte. Le royaume des cieux est ouverte. Rentre maintenant. Rentre. Et quand tu vas faire ce choix, tu ne seras pas déçu. En cours de chemin, toi-même, tu trouveras que tu as fait un bon choix. Tu trouveras que tu as fait un bon choix. Oui. On dit, la Bible a dit, oui, dans le verset 2 du chapitre 9, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi. Comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, est brisé. Alléluia. Amen. Il est là pour ôter le joug qui brise, qui pèse sur toi maintenant. Et on dit, il le peuple crie, il le dit, il y a le cri d'allégresse comme au jour des moissons. Et du coup, il est trop gentil là, on ne dit jamais, après aller qu'au point de dire nous n'y en est. C'est parce que quand le tas de semences s'approche, en ce moment, il y a la famine qui sort, il y a la pénurie, il y a la sécheresse. Parce que les récoltes sont finies. Et les paysans recommencent les travaux champêtres dans les difficultés. Et ils attendent patiemment et patiemment la récolte, la moisson. Et si la moisson, les nourritures ont commencé à donner, la moisson arrive, maintenant il y a la joie qui arrive dans le cœur. Parce que la nourriture est là encore. Donc on nous compare ici. Le temps de moisson là, on compare la joie du chrétien à ce temps de moisson du cultivateur. Oui, si tu viens à Jésus, oui, tu auras la joie. On dit le péché ne dominera plus sur nous.
tu n'auras plus la culpabilité. Il est venu pour nous conduire dans la droiture, dans la justice. Il va t'aider à vivre la vie de la justice, la vie de la droiture. Et ceux qui pratiquaient l'injustice dans ta vie, le Seigneur va rendre la justice pour toi. Et il remplira ton cœur de la joie comme le jour de la moisson. Parce que ton âme, on a moissonné ton âme. On a moissonné ton âme et c'est rentré dans la joie éternelle. Donc on ne trouvera pas la joie nulle part dans ce monde. Oh, tout le monde va chercher, on va te promettre, mais quand tu vas aller, tu ne peux pas la retrouver. On va dire, viens chez nous, on va te donner la solution. Viens ici, on va te donner la solution. Il y aura tant de promesses, mais il faut savoir que c'est Jésus seul qui est la vraie promesse. Amen. Et yo agbono be va mien ile ke la podonti la, va bien tout fil la podonti la. Et na wo yo kaka ke ma podonti ade ke o, et la be Christo de kayenye donti tokia. Christo de kayenye bituto va fan la. C'est lui qui tient la clé de ta vie. Et le wa be fe sa flore va sime. Quel c'est lui qui s'est donné en rançon pour toi. Et tu do kunade wo ya tao. C'est lui qui a souffert à cause de toi. Et pe fre wo ya tao. C'est lui qui a payé ton prix. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Personne ne peut te procurer la paix ni la joie. Ils vont essayer. Même ta maman, ton père, il peut l'essayer, la joie éphémère de ce monde. Mais il ne peut pas te procurer la paix, la joie de l'âme. C'est Jésus seul qui a le pouvoir de te donner la joie de l'âme. Et c'est cette joie qui est une joie parfaite. C'est cette paix qui est une paix parfaite. Et le monde ne peut jamais te procurer ça. C'est Jésus seul. Jésus seul. Viens à Jésus. Lui, il traite le corps, il traite l'âme, il traite l'esprit. Le médecin peut traiter le physique, mais il ne peut pas traiter l'âme. Mais Jésus est là pour toutes ces choses. Les psychologues peuvent essayer l'esprit, mais ils ne peuvent pas tout faire. C'est Jésus qui a la solution totale. Jésus a la solution totale pour toi. Toi qui nous écoutes à l'instant, si tu as connu Jésus déjà, que les problèmes de ce monde ne t'embrouille pas, ne t'emporte pas, fixe les regards sur Jésus, celui qui a toutes les dominations sur son épaule, celui qui a toute l'autorité sur son épaule. Fixe ton regard sur lui. Il va gérer toute situation pour toi. Il est à côté de toi actuellement. Il est à côté de toi. C'est toi qui vas te sauver. C'est toi qui libère. C'est lui qui libère. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Quelles sont les ténèbres? Il va te faire sortir de cette ténèbre. La lumière va jaillir. La lumière va jaillir. Oui. Toi qui n'as pas encore fait le choix, ne tarde pas. Ne tarde pas. Fais le choix. Fais le choix. Fais le choix. Fais le choix. C'est ton temps. Dans Hébreu, il a dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mon frère,
fofoni. Tu ne connais pas ce qui va arriver après deux minutes. Minyan ki a jole minute ça me fait mes beaux. Jésus est là pour réfléchir à ta place. Parce qu'il est le conseiller pour toi. Il est le conseiller. Oui. Quelqu'un a dit qu'il l'a engagé pour réfléchir pour lui 24 heures sur 24. Prends-le aussi. Prends ce conseiller. Et tu n'as plus besoin de te tracasser. Que ton âme se lamente, non. Non, le conseiller est là. Le conseiller est là. Non, confie-toi à lui seulement. Tu ne seras pas déçu. Oui, nous avons fait les expériences avec lui. Dans des moments critique, où tu es embrouillé, tu ne sais même pas quel choix faire. Tu ne sais même pas est-ce qu'il faut aller à gauche ou bien à droite. Demi-tour ou bien avancer. Mais à ce bon moment, dans la confusion totale, Jésus descend. Et il dit, mon enfant, non, marche comme ça. Prends comme ça. Et si tu vas voir que et ça serait une voix douce qui t'anime, qui te parle. Oh, quand tu vas obéir, tu vas voir qu'à un moment donné, oh, tout rentre en ordre. Tout rentre en ordre. Et la paix, la joie revient. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ma soeur, ce sauveur-là, il est merveilleux. Il est bon. Il repos à tout moment. Oh, fais l'expérience. Tu vas voir qu'il est bon. Il est bon. Oh, merveilleux. Merveilleux. D'abandonner le monde et suivre le Dieu. Devenir ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux. Merveilleux. Merveilleux, oh merveilleux, d'abandonner le monde et suivre le Dieu, devenir ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Oh, on est pas vivre les hier mais on est non là. Oh, va voir nous mettre toi, va voir nous mettre toi yo là. C'est lui, promis les agoméa. Oh, et vivi. Jésus mène un nom vivant. Jésus mène un nom. Allez, que quelqu'un a bagba peine à tiens. Oh, Jésus va jouer la drone à Piamé. Et droit, il a dit son ganti. Oh, alléluia. Il est là pour toi. Il a accompli l'œuvre là pour toi. Fais le choix. Il t'attend. Prie le Seigneur pour une âme ce matin. Yes. Yes. Alléluia. Yes. Amen. À l'église de Zopomahé et à son comité, son pasteur. Je fais coucou à mon mari.
Je salue tous les diacres. Et les deux bena hame subolo katan. Tous les membres de Zopomahi. Et les deux bena hame subolo pe subolo hame vio katan. Tout le quartier de Zopomahi. Zopomahi pe kometo katan. Et toutes les femmes et du Golfe Ouest qui ont fait la convention la fois passée chez nous. Et nous nous que les miape Golfe Ouest pentu ya meke wa takpepe nous nous fait takpepe les miape kwame. Que le Seigneur vous bénisse. Maune irami. Donc toi qui es dans nos environs que tu ne connais pas Jésus. Ou bien tu veux venir adorer avec nous. Notre église est en face de l'école publique primaire de Zopomahi. Nous adorons les dimanches de 6h à 9h30. Mercredi, nous faisons études bibliques de 4h30 à 6h du matin. Le vendredi, prière d'intercession de 18h30 à 20h. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Merci.